L'histoire commence avec Jang Sun-gyol, un homme souffrant de misophobie, ce qui signifie qu'il a une peur extrême des germes et de la saleté. Il est obsédé par la propreté et garde toujours lui-même et sa maison très propre. Il dirige également une entreprise qui nettoie les propriétés des gens. Un jour, Sun-gyol a un premier rendez-vous avec une femme belle et réussie. Mais les choses deviennent embarrassantes lorsqu'il remarque que ses oreilles ne sont pas propres, ce qui le met tellement mal à l'aise qu'il quitte le rendez-vous. Ses parents, surtout sa mère, sont en colère contre lui pour avoir annulé le rendez-vous. Sa mère pense qu'il devrait diriger l'entreprise de son grand-père au lieu d'être obsédé par le nettoyage. Pendant ce temps, le robot nettoyeur de Sun-gyol sort de sa maison sans qu'il le sache. Il panique et essaie de le retrouver car c'est un cadeau spécial de quelqu'un qui compte beaucoup pour lui. De l'autre côté, Gilosol est une jeune femme vive et indépendante. Elle vit avec son père et son jeune frère dans une maison simple. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Osol a du mal à trouver un emploi parce qu'elle ne prend pas bien soin d'elle, et beaucoup de lieux la rejettent. Pour rester occupée, elle travaille comme serveuse dans un café. Une nuit, elle trouve le robot nettoyeur de Sun-gyol dans les poubelles et pense qu'il pourrait encore fonctionner, alors elle l'emmène chez elle. Sun-gyol cherche désespérément son robot, et il vérifie les caméras de sécurité autour de l'immeuble, apercevant une fille qui a trouvé son robot. Quand Osol rentre chez elle, elle est choquée de voir un inconnu sortir de sa salle de bain. Il y a de la confusion parce qu'Osol ne réalise pas que cet homme est un locataire dans sa maison. Les choses deviennent encore plus chaotiques quand le père d'Osol se blesse et doit aller à la clinique, alors elle prend en charge son travail pour la journée, qui consiste à collecter les ordures. En ramassant les ordures, Osol tombe accidentellement sur un garçon pour lequel elle a le béguin, Dojin. Elle essaie de l'éviter en portant un masque de cheval pour se cacher. De nombreuses personnes voient cette scène drôle, la filment et la publient sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Sun-gyol reçoit un appel du petit frère d'Osol, lui disant qu'il a trouvé le robot. Mais ensuite, la voiture de Sun-gyol est heurtée par le chariot d'Osol, et il est très en colère car sa voiture est endommagée et sale. Il veut qu'elle paie pour les dégâts. Il enlève le masque de cheval d'Osol, révélant qui elle est. Même Dojin est surpris d'apprendre que son ami d'université travaille comme éboueur. Après cela, Osol décide de changer son apparence. Elle et son ami Zhu Yun vont à une soirée de retrouvailles où Dojin est également présent. Elle s'habille bien et commence à penser que peut-être Dojin l'aime bien parce qu'il la voit comme une personne attentionnée, surtout puisqu'elle a aidé avec le travail de son père. Le lendemain, Sun-gyol demande à son secrétaire Gwon d'acheter une nouvelle voiture pour lui. Il veut aussi savoir s'ils ont trouvé son robot nettoyeur, qui a une valeur sentimentale car c'était un cadeau de son aide-soignante. Ensuite, il se souvient que la fille qui lui est rentrée dedans est celle qui avait pris son robot. Sun-gyol exige une grosse somme d'argent en compensation, ce qui surprend Osol. Comme elle n'a pas de travail, elle demande de la compréhension et propose de rendre le robot nettoyeur qu'elle avait trouvé en échange. Plus tard, Osol rencontre Dojin car il a besoin de son aide. Dojin veut qu'Osol fasse la promotion d'un produit de son agence pour augmenter les ventes dans le bureau où il travaille. Il profite de la popularité d'Osol depuis qu'elle est devenue célèbre sur les réseaux sociaux pour l'incident du masque de cheval. Dojin prévoit de faire la même chose pour un produit minceur. Mais ensuite, Osol se rend compte que Dojin l'utilise juste pour gagner de l'argent. Sun-gyol voit cela et est déçu par Osol. Osol l'approche alors pour rendre le robot et promet de payer le reste de la compensation le mois prochain. En montant dans l'ascenseur avec Dojin, Sun-gyol découvre que Dojin sort avec plusieurs femmes en même temps. Cela dégoûte Sun-gyol, et il pulvérise du produit nettoyant dans la direction de Dojin pour montrer sa désapprobation. Pendant ce temps, Osol reçoit une bonne nouvelle lorsqu'elle obtient une invitation à un entretien d'embauche dans une grande entreprise. Elle célèbre avec sa famille, y compris Zhu Yun et un locataire nommé Ain. Ils espèrent qu'Osol obtiendra un emploi dans cette entreprise prestigieuse. Le lendemain, Osol se rend compte qu'elle a beaucoup de concurrence lors du processus d'entretien. Le jury d'entretien teste même ses compétences en anglais, ce qu'elle trouve difficile. Malheureusement, Osol ne passe pas la première étape, ce qui la laisse frustrée mais déterminée à continuer de chercher un emploi en passant des entretiens dans différentes entreprises. Pendant ce temps, le frère cadet d'Osol, Odol, traîne avec ses amis, pratiquant le taekwondo. Mais les choses se compliquent lorsqu'Odol et son ami Yang-shik se battent avec deux concierges à propos d'une fille. Ils finissent par être emmenés au commissariat pour un interrogatoire. Sun-gyol vient alors au commissariat parce qu'il est le patron de ses concierges. Osol se présente également pour récupérer son frère.
Quand Sungyeol la voit, il se rappelle qu'elle lui doit de l'argent. Sungyeol envisage de licencier un de ses employés, Dongyeon, surtout parce qu'il découvre que ce dernier a un casier judiciaire. Mais le secrétaire Gwon le supplie de reconsidérer, car Dongyeon a été un excellent travailleur pendant longtemps. D'un autre côté, le père Dosol perd soudainement son emploi car son entreprise fait faillite. Il noie son chagrin dans le soju dans un bar local. Quand Dosol voit son père triste, elle ne peut s'empêcher de suspecter qu'il cache quelque chose. Le lendemain, Sungyeol devait assister à la fête d'anniversaire de son grand-père, le PDG Cha. Le dîner était très tendu. Sungyeol n'aimait pas son grand-père car il se mêlait toujours de sa vie. Le PDG Cha a évoqué la maladie de Sungyeol, ce qui l'a rendu très en colère. Il a donc quitté la fête précipitamment, avec une éraflure sur le visage causée par la colère de son grand-père. Cette situation a rappelé à Sungyeol son aide-soignante, qui était décédée. C'était elle qui le soutenait, surtout depuis que sa mère était partie quand il était petit, et il n'avait jamais su où était son père. Le même jour, Dosol a reçu de mauvaises nouvelles. L'entreprise pour laquelle elle voulait vraiment travailler l'a refusée, et sa chaussure s'est abîmée, comme un mauvais présage. Elle est donc allée dans un bar pour noyer son chagrin, par hasard, elle a rencontré Sungyeol en achetant des snacks. Comme elle était très ivre, elle pensait que Sungyeol la suivait pour lui demander de l'argent. Mais en réalité, Sungyeol voulait juste être seule. Pourtant, Dosol n'arrêtait pas de parler de sa vie difficile. Lorsque Sungyeol l'a vue rentrer chez elle pieds nus, il a eu pitié d'elle et lui a donné ses sandales. Inquiet pour sa sécurité, un locataire lui a proposé de la raccompagner chez elle. Le lendemain, Dosol se souvenait d'avoir croisé Sungyeol la veille. Elle travaillait dur dans un café pour rembourser ses dettes, mais ce n'était pas suffisant. En chemin vers son travail, elle a vu son père protester à son ancien emploi. Cela a surpris Dosol, et elle a décidé de postuler à n'importe quel emploi qu'elle pouvait trouver, même si cela signifiait devenir femme de ménage. Elle a postulé en secret, et par hasard, est tombée sur Yongshik, qui était amie avec Dosol. Heureusement pour elle, elle a facilement passé les tests physiques parce que Yongshik était un ancien athlète de saut en hauteur. Elle lui a demandé de garder son nouvel emploi secret pour sa famille. Heureusement, elle a été embauchée et devait rencontrer son superviseur. Mais Dosol et Sungyeol se sont de nouveau croisés par pur hasard. Sungyeol n'était pas content de voir Dosol à son premier jour de travail parce qu'elle causait des problèmes et a même failli avoir un accident avec la machine de nettoyage lors de l'orientation. Après le travail, Dosol a parlé à Juyeon de Sungyeol, qui avait une étrange habitude de se laver les mains souvent. Pendant ce temps, Sungyeol avait ses propres idées sur la propreté d'Dosol, en particulier ses cheveux. Dosol ne comprenait pas pourquoi Sungyeol, de toutes les personnes, devait être le patron de son lieu de travail. Le deuxième jour de travail, Dosol n'avait toujours pas dit à sa famille où elle travaillait. Elle ne voulait pas décevoir son père car il avait de grands espoirs qu'elle obtienne un emploi de bureau. Mais son frère, Dosol, savait déjà que Yongshik travaillait pour une entreprise de nettoyage. Ce jour-là au travail, Dosol s'est bien entendu avec ses collègues, Dongyeon et Jaemin. Il devait nettoyer des toilettes très sales. Malheureusement, l'un des membres du personnel l'a maltraité, lui ordonnant de nettoyer du café renversé. Ensuite, Sungyeol et le secrétaire Gwon sont apparus pour la défendre. Sungyeol ne voulait pas que la confiance d'Dosol soit brisée, même si elle faisait partie de l'équipe de nettoyage. Et ils nettoyaient une zone qui n'était même pas dans leur contrat. Dosol a été surprise de voir à quel point son patron se souciait d'elle. À la fin de la journée, Dosol était complètement épuisée, et Ahn l'a approchée. Elle était curieuse de savoir ce que faisait Ahn, car il semblait en savoir beaucoup sur les choses, même s'il ne semblait pas avoir de travail. Le lendemain, Dosol a trop dormi et n'a pas eu le temps de se doucher avant d'aller travailler. Elle s'est rapidement lavé le visage et a mis un peu de parfum pour les cheveux. En arrivant au bureau, Sungyeol n'a pas aimé ce qu'il a vu, surtout avec des miettes de nourriture près de sa bouche. Le secrétaire Gwon a finalement compris que la fille que Sungyeol voulait éviter était Dosol. Juste à ce moment-là, Juyeon a appelé Dosol pour lui parler de Dojin, qui venait de rompre avec sa petite amie. Entendre son nom a agacé Dosol, et elle ne voulait pas en parler. Mais ensuite, Dojin lui a envoyé un message et l'a invité à se rencontrer. Pendant ce temps, Juyeon encourageait Dosol lors de son match de taekwondo. Ce jour-là, l'entreprise a organisé un événement de bienvenue pour les nouveaux employés. Sungyeol a remarqué qu'Dosol voulait s'asseoir à côté de lui, alors il a essayé de trouver des excuses pour la faire asseoir plus loin.
Un soir, Au-sol a trop bu et s'est retrouvé à divaguer devant un restaurant après que ses amis soient partis. Sungyeol a essayé d'appeler son secrétaire pour l'aider à ramener Au-sol chez elle, mais n'a pas pu le joindre. Sungyeol ne voulait pas s'occuper d'Au-sol, mais il ne supportait pas de voir deux gars essayer de profiter d'elle. Il a donc décidé de la ramener chez elle, couvrant le siège passager de sacs en plastique. En s'approchant de la maison d'Au-sol, ils sont tombés sur Do-jin, qui voulait aussi ramener Au-sol chez elle. Sungyeol était sceptique, surtout qu'Au-sol avait déjà refusé l'offre de Do-jin. Finalement, Au-dol et Ah-in sont intervenus après avoir vu Au-sol devenir le centre de l'attention. Le lendemain, Au-sol se souvenait de ce qui s'était passé la veille lorsque son patron l'avait ramené chez elle. Son père était fier car sa fille attirait l'attention d'un homme. D'un autre côté, Sungyeol essayait de se calmer après qu'Au-sol ait apporté des germes dans sa voiture et sur lui-même. Le jour suivant, la mère de Sungyeol, Mewa, est arrivée à son bureau. Elle a présenté un investisseur pour aider Sungyeol avec son entreprise, mais il a refusé car il pensait que cet homme pourrait être le nouveau petit ami de sa mère. Mewa s'est excusée et a essayé de convaincre Sungyeol, admettant qu'elle était absente depuis longtemps. Au-sol écoutait à l'extérieur de la pièce, et la conversation semblait tendue. Sungyeol se souvenait encore pourquoi il avait développé sa misophobie. C'était parce que sa mère lui avait promis de revenir s'il prenait mieux soin de lui. Un soir, Do-jin a invité Au-sol à dîner. Il semblait vouloir se rapprocher d'elle, mais elle était déjà déçue et lui a dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour lui. En rentrant du dîner, Au-sol a croisé Sungyeol par hasard. Ses paroles à ce moment-là l'ont dérangé car il sentait qu'elle s'impliquait dans les affaires de sa famille. Au-sol lui suggérait simplement de prêter plus d'attention à sa mère, qui ne serait pas là éternellement. Toujours contrarié par le rejet d'Au-sol la nuit précédente, Do-jin s'est moqué de son travail lorsqu'ils se sont rencontrés au parc de la ville. Il l'a taquinée en disant qu'elle ne trouverait pas d'homme séduisant avec ce genre de travail. Quand Au-sol a vu Sungyeol arriver, elle voulait lui demander de l'aider à faire semblant d'être son petit ami. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle l'a surpris en l'embrassant sur les lèvres. Sungyeol a paniqué, pensant que son corps avait été contaminé par des germes et qu'il devait aller à l'hôpital. Un peu plus tard, Sungyeol s'est réveillé et a immédiatement vomi en se rappelant ce baiser avec Au-sol. Il a dit à la secrétaire Gwon qu'il était tombé en état de choc parce qu'il pensait que ses lèvres avaient été contaminées par des excréments d'oiseaux. Au-sol se sentait vraiment coupable et ne s'attendait pas à ce que les choses prennent une telle ampleur. Elle voulait rendre visite à Sungyeol dans la chambre VIP de l'hôpital, où il était traité, mais il l'a renvoyée. Il se sentait mal à l'aise près d'elle et était en colère d'avoir été entraîné dans ses affaires romantiques, même s'il ne s'agissait que d'un baiser. Alors, Au-sol a parlé à Joo-yeon des paroles dramatiques de Sungyeol, comme le fait de l'appeler une fabrique de germes à cause du baiser. Sungyeol était furieux après son premier baiser avec Au-sol parce qu'il pensait que cela avait compromis la propreté de sa bouche, dont il avait pris soin pendant des années. Pendant ce temps, Au-sol est allé chercher son père qui manifestait à son ancien lieu de travail. Les paroles de son père l'ont fait se sentir coupable, car il avait travaillé si dur pour lui offrir une meilleure vie, mais elle ne l'avait pas encore rendu fière. Elle a alors promis de gagner suffisamment d'argent pour que son père n'ait plus besoin de travailler. D'autre part, Yongshik et Jaemin ne s'entendaient toujours pas, même s'ils faisaient partie de la même équipe. Ils s'étaient déjà affrontés il y a quelque temps, mais Yongshik n'a pas abandonné. Il a essayé de faire la paix et de devenir ami avec Jaemin. Au bureau, Sungyeol était agacé parce qu'il voyait Au-sol partout. Un jour, il a vu ses employés jouer avec de l'eau dans le parc à côté du bureau, ce qui l'a fait sourire un peu. Il a remarqué le sourire joyeux d'Au-sol pendant un moment, mais il se sentait toujours mal à l'aise près de la secrétaire Gwon. Pour aggraver les choses, Au-sol a accidentellement aspergé du liquide en direction de Sungyeol, ce qui l'a vraiment mis en colère. Peu de temps après, la secrétaire Gwon a rencontré Mewa pour parler de l'état de Sungyeol. Il avait été admis à l'hôpital parce qu'il s'était brossé les dents trop souvent et avait irrité ses gencives. Ils ont décidé de présenter Sungyeol à un psychiatre qui avait étudié avec un professeur américain. Passons maintenant à Au-sol. Elle a eu la visite d'un homme qui ressemblait à un docteur chez elle, mais il s'est avéré qu'il venait pour une séance de conseil, car Ah-in était lui-même psychiatre. Au-sol ne le savait pas, alors elle pensait qu'il avait besoin de conseils. Ah-in a gardé sa profession secrète devant la famille d'Au-sol, pour des raisons encore inconnues. La secrétaire Gwon était inquiète de la sensibilité accrue de Sungyeol, et elle lui a suggéré de voir le docteur Daniel, en laissant le numéro de téléphone du docteur sur son bureau.
Sungyeol a finalement contacté le docteur, qui s'est révélé être Ahin. Ahin a dit que le traumatisme physique lié au contact, dont souffrent les patients atteints de misophobie, disparaîtrait dans les 4 semaines suivantes. Le lendemain, c'était l'anniversaire de la mort de la mère d'Osol, et elle agissait toujours un peu différemment ce jour-là. Elle nettoyait toute la maison et s'habillait bien pour s'assurer que l'esprit de sa mère soit en paix, montrant qu'Osol pouvait gérer les choses. Son maquillage sophistiqué a surpris ses amis et Sungyeol au bureau. Sungyeol a soupçonné qu'après le travail, Osol pourrait aller à un rendez-vous arrangé. Ce jour-là, il devait nettoyer la maison d'un homme qui collectionnait des figurines d'action. Il leur a demandé de faire attention car les objets étaient très rares et coûteux. Mais, dans la précipitation, un des employés a accidentellement renversé sa collection sans s'en rendre compte, et Osol a été blâmé. En réalité, le pied d'Osol a été blessé lorsqu'elle a marché sur un des objets déjà endommagés. Quand Sungyeol l'a découvert, il a convoqué les 4 employés pour demander des explications. Il a fini par licencier Osol, pensant qu'elle n'était pas compétente dans son travail. Quelque temps plus tard, Osol est allée visiter l'endroit où reposent les cendres de sa mère. Elle se sentait déprimée parce qu'elle avait été licenciée à cause d'un malentendu. Osol a partagé ses soucis avec sa mère décédée et a laissé un bouquet de fleurs. Puis, elle a remarqué une boisson au yaourt à proximité et a commencé à chercher la personne qui l'avait laissée là. Après un moment, Osol n'a pas trouvé la personne, alors elle est rentrée chez elle. En chemin, elle s'est assise sur des escaliers et a réfléchi. C'est alors que Ahin est arrivé pour lui tenir compagnie. Boire le yaourt a aidé Osol à se sentir mieux. Cela lui rappelait comment sa mère lui donnait la même boisson quand elle était triste. En rentrant, ils ont croisé Sungyeol, qui voulait s'excuser. Il se sentait mal pour la façon dont il avait traité Osol et lui a demandé de revenir travailler pour réparer tout le désordre qui s'était produit. Le lendemain, Sungyeol a appelé l'homme qui possédait les figurines d'action pour qu'il vienne au bureau. Ils ont passé un accord, et Sungyeol a demandé à l'homme de s'excuser directement auprès d'Osol pour l'avoir accusé à tort. À ce moment-là, Sungyeol et la secrétaire Gwon sont venus parler à Osol. Cela l'a prise de court, et elle a fini par tomber dans les escaliers. Sungyeol l'a rapidement sauvée, surprenant tout le monde car il souffrait de misophobie et ne touchait généralement pas les gens. Il se souvenait de ce que son docteur lui avait dit, il pourrait être guéri s'il tombait amoureux. Après cela, la main de Sungyeol a été bandée, et il a appelé son médecin pour en savoir plus sur son état. Le docteur Daniel lui a recommandé de faire des tests en touchant des objets appartenant à d'autres personnes. Sungyeol est allé à la cuisine du bureau pour essayer, mais il a échoué plusieurs fois. Juste au moment où il allait toucher un verre appartenant à Osol, quelques collègues sont arrivés pour faire une pause. Après le travail, le père d'Osol lui a demandé d'apporter de la nourriture à Ahin. Pendant qu'ils partageaient un peu de ce jus, ils se sont finalement ouverts l'un à l'autre et se sont promis de se soutenir mutuellement. Ahin avait un faible pour une fille joyeuse et charmante. Après le départ d'Osol, Ahin s'est souvenu de la fille qui lui avait donné un yaourt pendant une pause au travail. Cette fille était Osol, qui avait visité le lieu de travail de sa mère. Depuis ce jour, Osol occupait une place spéciale dans le cœur de Ahin. Pendant ce temps, Sungyeol regardait le verre d'Osol qu'il avait ramené chez lui et réfléchissait à la manière dont son état semblait s'améliorer quand il était près d'elle ou de ses affaires. Sungyeol a essayé de se distraire en regardant la télévision, mais cela n'a fait que rendre son sommeil plus difficile. Il semblait qu'il commençait à développer des sentiments pour elle. Le lendemain, Sungyeol voulait parler à la secrétaire Gwon, mais il a fini par entendre Osol avouer qu'elle l'aimait. En rentrant chez lui, la confession d'Osol tournait en boucle dans sa tête. Son cœur battait la chamade, et il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Ensuite, Osol l'a surpris en essayant de lui offrir une soupe faite maison. Au lieu de prendre la soupe, Sungyeol lui a avoué ses sentiments. Ils se sont tous les deux sentis gênés, et Sungyeol a finalement repris ses paroles. C'était la première fois qu'il laissait quelqu'un entrer dans sa maison super propre, et ils ont passé du temps à mieux se connaître. Avant de partir, Osol voulait nettoyer le verre qu'elle avait utilisé, mais Sungyeol l'en a empêché. Il ne voulait pas qu'elle sache que son verre était chez lui. Un jour, Sungyeol a changé de coiffure après avoir reçu des compliments d'Osol. La secrétaire Gwon a senti que quelque chose n'allait pas dans la transformation de son patron. Un jour, Osol a dû nettoyer un endroit qui figurait sur la liste noire de l'entreprise. Sungyeol a paniqué en découvrant qu'Osol avait été envoyé seul dans un endroit dangereux.
Il s'est précipité pour la secourir et a même retiré son bandage pour conduire plus librement. Une fois sur place, Sungyeol a affronté le fauteur de trouble et a sorti au sol de là. Il avait une main blessée, alors Osol a essayé de lui donner les premiers soins. Mais, contre toute attente, Sungyeol a pris la main d'Osol et l'a embrassée, et le docteur Daniel a vu cela de loin. Le lendemain, Osol a subi une petite transformation. Elle a commencé à mieux prendre soin d'elle, se douchant et se lavant les cheveux tous les jours. Elle a même commencé à se maquiller avant d'aller au travail et à retoucher son maquillage pendant les pauses aux toilettes. Un jour, elle a entendu des collègues féminines parler de l'incident où Sungyeol avait attrapé un coupable. À sa grande surprise, elle parlait en fait d'elle. Pendant que Sungyeol vérifiait le travail, il a remarqué au sol avec Jaemin. Jaemin la taquinait et lui a même embrassé la tête pour sentir ses cheveux. Cela a rendu Sungyeol assez contrarié et un peu jaloux. Il les a grondés sans raison apparente, et Jaemin a commencé à avoir des soupçons. Au sol a rougi et s'est senti gêné sous le regard de son patron. Un jour, Sungyeol est allé rendre visite au PDG Cha, qui voulait qu'il trouve une petite amie. Mais Sungyeol n'y avait pas encore vraiment réfléchi. Il était aussi frustré par sa mère, qui changeait constamment de petite amie. Alors que Sungyeol se sentait agacé, il est tombé sur au sol. Elle se demandait toujours pourquoi Sungyeol l'avait embrassé l'autre jour sans s'expliquer depuis. Elle avait l'impression qu'il jouait avec ses émotions. Sungyeol s'est excusé pour son comportement et a clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé par une relation amoureuse avec elle. Après avoir entendu la confession de Sungyeol, Osol s'est assise et a commencé à boire du soju pour apaiser sa tristesse. Ahin, aussi connu sous le nom de Daniel, est venu lui tenir compagnie. Osol a exprimé sa frustration à propos des actions de Sungyeol et a essayé de rester positive. Elle a changé de sujet en demandant à Daniel des nouvelles de la fille qu'il aimait, mais il est resté silencieux, attendant le bon moment. Le lendemain, Osol est tombé sur Sungyeol et la secrétaire Gwon. La secrétaire Gwon a remarqué qu'Osol semblait différente et a soupçonné qu'il se passait quelque chose entre eux. Pendant une réunion de l'entreprise, Sungyeol ne pouvait s'empêcher de penser à Osol. Osol s'est confié à son ami Juyeon, lui racontant comment Sungyeol avait été inconsidéré après avoir joué avec ses sentiments. Sungyeol a entendu les paroles d'Osol alors qu'il se trouvait à proximité. Pendant ce temps, Yongshik a invité Odol à se rencontrer et lui a confié qu'il était triste d'avoir été rejeté par une fille. Dans la conversation, il a accidentellement révélé le travail d'Osol. Cela a poussé Odol à se précipiter pour voir sa sœur au travail, et Yongshik s'est senti coupable d'avoir causé une dispute entre les frères et sœurs. Osol a demandé à Odol de garder son travail secret pour leur père, car elle ne voulait pas le rendre triste en révélant qu'elle travaillait comme femme de ménage. Pour se rattraper, Osol a invité Odol et Yongshik à un repas. Cependant, Odol n'a pas pu cacher sa déception et sa pitié pour sa sœur qui travaillait dur. Malgré cela, Osol a avoué qu'elle aimait et appréciait son travail. Pendant ce temps, la secrétaire Gwon a rencontré le PDG Cha. Elle lui a fait un rapport sur l'état de Sungyeol, disant qu'il s'améliorait grâce à une fille. Le PDG Cha est devenu curieux à propos d'Osol après avoir entendu cela. D'un autre côté, Sungyeol a appelé le docteur Daniel pour parler de ses problèmes. Il n'avait pas remarqué que son purificateur d'air ne fonctionnait plus parce qu'il était trop occupé à penser à Osol, qu'il avait traité de malpoli. Daniel a donné des conseils à Sungyeol, suspectant que cette fille était spéciale pour lui, même si Sungyeol ne pouvait pas encore l'admettre. Le lendemain, Osol a croisé Daniel en route pour le travail. Elle pensait qu'il voulait sortir avec elle et l'a encouragé. Mais pendant leur sortie, ils ont rencontré Sungyeol, qui a demandé à Osol des explications sur l'insulte qu'elle lui avait lancée. La réponse d'Osol a fait ressentir de la culpabilité à Sungyeol, car elle ne voulait pas être traitée mal par un homme irresponsable. Sungyeol ne voulait pas partager tous ses problèmes avec la secrétaire Gwon, mais il ne voulait pas non plus qu'elle connaisse son état actuel. Il a prétendu parler de l'expérience d'un ami, mais Gwon a deviné son mensonge et l'a encouragé à reconnaître ses sentiments. De son côté, Juyeon a invité Osol à son campus pour lui révéler que le locataire de sa maison, qu'elle pensait être sans emploi, était en réalité un médecin. Pendant ce temps, Sungyeol a décidé de suivre les conseils de Gwon et a essayé de rencontrer Osol sur le campus, mais il a échoué en la voyant avec Daniel, qui voulait lui avouer ses sentiments. Daniel a emmené Osol dîner, ce que Sungyeol a observé, se sentant déçu de lui-même. Osol n'arrivait toujours pas à croire que Daniel, un psychiatre, s'intéressait à elle en tant que simple fille.
mais Daniel l'a rassuré en lui disant que son passé ne comptait pas pour lui. Pour au sol, Daniel restait la personne qui vivait dans son grenier. Elle ne voulait pas se sentir gênée avec lui. Après avoir appris que Daniel avait confessé ses sentiments à Osol, Sungyeol a décidé de ne plus continuer ses séances de thérapie avec lui. Il a ressenti quelque chose de différent chez Daniel et s'est souvenu que Daniel était le voisin qui était près d'Osol quand elle était ivre. Sungyeol voulait confirmer l'identité de Daniel auprès de Gwon. Elle l'a assuré que Daniel était le meilleur psychiatre recommandé par le médecin américain qui avait soigné Sungyeol auparavant. Sungyeol devenait de plus en plus frustré en voyant la proximité grandissante entre Osol et Daniel. Pour évacuer sa frustration, il a obligé Osol à suivre une formation de nettoyage chaque jour. Un jour, Osol a reçu un appel de la secrétaire Gwon lui demandant de l'aider en tant que secrétaire temporaire. Sungyeol a été surpris de voir Osol dans son bureau, travaillant comme sa secrétaire. Elle a suivi Sungyeol toute la journée. Sungyeol a réalisé qu'il devait aller plus doucement et laisser du temps à Osol pour s'adapter. Il a donc ralenti et a permis à Osol de travailler en étroite collaboration avec lui. Dans un ascenseur, un moustique a fait glisser Osol et elle est tombée dans les bras de Sungyeol. Un employé les a vus dans cette position embarrassante. Osol s'est senti gêné et a essayé d'expliquer ce qui s'était passé pour éviter les malentendus. Ils étaient à un aéroport et Sungyeol devait rencontrer des clients, mais il avait un traumatisme lié aux aéroports. Osol l'a aidé à se protéger de la foule en ouvrant un parapluie pour créer une barrière. Sungyeol s'est senti calme en sachant qu'Osol prenait soin de lui. La secrétaire Gwon et le grand-père de Sungyeol ont vu Osol aider Sungyeol avec son traumatisme lié à l'aéroport. Osol a été soulagé lorsque Sungyeol a réussi à terminer sa réunion et elle a remarqué que son humeur s'était améliorée. Sur le chemin du retour, Sungyeol a vu qu'Osol était mal à l'aise dans ses chaussures, alors il lui a gentiment donné une paire de chaussures confortables. Plus tard, Sungyeol est arrivé près de la maison d'Osol, mais elle s'était déjà endormie. Il l'a regardée un moment et a fini par s'endormir aussi. Quand ils se sont réveillés, ils ont été surpris de se retrouver tous les deux endormis dans la voiture. En arrivant chez elle, Osol a eu une dispute avec son père, qui avait découvert qu'elle travaillait comme femme de ménage et insistait pour qu'elle quitte son emploi. Le lendemain, Sungyeol a entendu qu'Osol était malade et ne pouvait pas venir travailler. Il s'est senti coupable de l'avoir fait travailler tard la nuit précédente. Sungyeol est allé rendre visite à Osol chez elle et l'a rencontré dehors. Osol lui a raconté la dispute qu'elle avait eue avec son père à propos de son travail. Plus tard, Sungyeol a rencontré le père d'Osol pour le convaincre de la laisser garder son emploi. Après beaucoup de persuasion, le père d'Osol a accepté de la laisser continuer à travailler. Sungyeol a rassuré Osol en lui disant qu'il ferait tout pour qu'elle reste dans l'entreprise, car il ne voulait pas qu'elle parte. Le père d'Osol, incapable de dormir, l'a invité à boire du soju ensemble et à parler de son désir qu'elle trouve un autre emploi. Osol n'avait pas pensé à trouver un nouvel emploi parce qu'elle aimait son travail actuel, même s'il n'était pas très valorisé. Son père ne pouvait rien faire après avoir entendu ses raisons. Sur son lieu de travail, les amis d'Osol ont appris la nouvelle de son retour dans l'entreprise et ont organisé une fête de bienvenue pour elle. Sungyeol était aussi heureux d'apprendre son retour. Après avoir quitté le bureau, Osol prévoyait de boire du soju avec ses amis dans un restaurant de barbecue. Sungyeol est resté tard au bureau car il voulait ramener Osol en voiture. Quand Gwon a vu Sungyeol au bureau, elle lui a immédiatement dit où se trouvait Osol. Peu de temps après, Sungyeol est arrivé au restaurant de barbecue où Osol et ses collègues s'amusaient. Au début, il les observait de loin et ne prévoyait pas de les rejoindre. Mais, habillé de manière inhabituelle, il a décidé de se joindre à Osol et à ses collègues. Cependant, la présence de Sungyeol a rendu les choses un peu gênantes. Après avoir fini leur boisson, Sungyeol voulait raccompagner Osol chez elle, mais sa voiture a été enlevée car il s'était garé illégalement. Il a refusé plusieurs options de transport pour une raison obscure, et finalement, ils ont choisi de rentrer à pied ensemble. En marchant sur un pont piéton, ils sont tombés sur des écrits romantiques exprimant l'amour. Osol a gentiment offert à Sungyeol ses chocolats faits maison pour le remercier. Le lendemain, la mère de Sungyeol fut surprise de trouver des chocolats chez son fils. Elle savait que Sungyeol n'aimait pas les chocolats. La secrétaire Gwon a pensé à en essayer un, mais Sungyeol les a rapidement pris, les traitant comme s'ils étaient très spéciaux. Pendant ce temps, Osol et ses amis nettoyaient un bureau. Osol était responsable d'un bureau avec des documents importants.
Elle travaillait dur quand un homme est arrivé et a délibérément mis le désordre dans les papiers, ce qui a mis au sol dans une situation difficile. Sungyeol a entendu parler du problème et s'est précipité sur place. En arrivant, il a défendu au sol, s'assurant qu'elle n'avait rien fait de mal. La secrétaire Gwon était perplexe, car il était inhabituel qu'un PDG défende autant un employé. Au sol se sentait mal d'avoir impliqué Sungyeol. Lorsqu'ils ont vérifié la caméra de sécurité, il semblait qu'au sol était en faute. La secrétaire Gwon a conseillé à Sungyeol de suivre les règles et de licencier au sol. Mais Sungyeol a refusé, car il ne voulait pas la perdre. Cependant, au sol a décidé de quitter l'entreprise malgré tout. Au sol se sentait vraiment triste de sa décision. Elle trouvait cela injuste et pleurait seule. C'est à ce moment-là que Daniel est venu la voir. D'un autre côté, Odol a reçu une mauvaise nouvelle. Son père s'était battu avec des hommes violents. Odol s'est mis en colère et s'est mêlé à la bagarre, et la police l'a emmené au poste. Ses actions mettaient en péril son admission à l'université de ses rêves. Osol a essayé d'aider en parlant aux hommes et en les suppliant de ne pas porter plainte, mais cela ne semblait pas fonctionner. Ensuite, la secrétaire Gwon a entendu parler de la situation et a proposé un marché à Osol. Pendant ce temps, Sungyeol sentait que sa journée était un désastre. Il a décidé de rentrer chez lui pour se reposer. Mais en arrivant, il fut surpris de trouver Osol à l'intérieur. Elle s'est présentée comme une aide chez Sungyeol et a dit qu'elle resterait là tout en travaillant. Sungyeol ne comprenait pas tous ces changements soudains dans sa vie. Il a pensé qu'il serait préférable de séjourner à l'hôtel. Malheureusement, il n'a pas pu se détendre car il s'inquiétait de la propreté de l'hôtel. Il a même fait venir son personnel pour nettoyer avant son séjour. Mais il a été expulsé pour avoir enfreint les règles. Sungyeol a décidé de passer la nuit dans son bureau. Mais ensuite, Osol est venu le voir et lui a suggéré de rentrer chez lui. Après y avoir réfléchi, Sungyeol a décidé de suivre son conseil. À sa grande surprise, il a même permis à sa mère de rester chez lui pour la première fois. La présence d'Osol semblait changer un peu l'humeur de Sungyeol. Même s'il était chez lui, il n'arrivait pas à dormir. Quand il a essayé de s'approcher d'Osol, sa mère est sortie pour prendre un verre. Cela a surpris Sungyeol, alors il s'est caché et a accidentellement enlacé Osol, la réveillant. Sungyeol a fait signe à Osol de rester silencieuse jusqu'à ce que sa mère quitte la pièce. Une fois sa mère partie, Sungyeol a apporté une couverture pour Osol, car il savait que le canapé n'était pas très confortable pour elle. Le lendemain, Osol prévoyait de préparer le dîner pour Sungyeol. Cependant, au lieu de cuisiner, elle a créé un grand désordre dans la maison. Quand Sungyeol est rentré et a vu le chaos, il ne s'est pas mis en colère. Au lieu de cela, il a décidé de manger avec elle. Osol se sentait mal en voyant Sungyeol nettoyer tout seul car il ne la laissait pas l'aider. Osol se souvenait du conseil de la secrétaire Gwon de créer un peu de chaos pour aider Sungyeol à s'améliorer. Pendant ce temps, Sungyeol se sentait coupable d'avoir grondé Osol la nuit précédente. Pour se faire pardonner, il lui a acheté divers produits de bain et de soins de la peau ainsi qu'une paire de pantoufles en forme de lapin qui correspondaient aux siennes. Cela a rendu Osol très heureuse et spéciale aux yeux de Sungyeol. Plus tard, Osol a reçu un appel vidéo de son père. Elle a rapidement trouvé un endroit privé pour y répondre et a montré son père et Daniel de loin. Ils lui ont demandé comment elle se débrouillait abusant. Osol a encore menti en disant qu'elle allait bien. Depuis qu'elle travaillait comme assistante chez Sungyeol, elle mentait à sa famille, leur disant qu'elle avait été envoyée en dehors de la ville par l'entreprise. Mais Daniel était suspicieux et savait qu'Osol cachait quelque chose. À un moment donné, Osol a rencontré le grand-père de Sungyeol car la secrétaire Gwon le lui avait demandé. Le PDG Cha a dit à Osol de ne pas tomber amoureuse de son petit-fils et de simplement faire son travail. C'était difficile pour elle, mais Osol a suivi ses instructions. Elle ne voulait pas que le PDG Cha annule l'aide qu'il avait promise, ce qui mettrait son frère dans une situation difficile à cause de son casier judiciaire. Osol a mis de côté ses propres sentiments pour le bien de son frère. Quand Sungyeol a avoué ses sentiments, Osol l'a fermement repoussé en disant qu'elle n'était pas intéressée. Sungyeol a promis qu'il la ferait changer d'avis et tomber amoureuse de lui. Le lendemain, Sungyeol a essayé plusieurs choses pour attirer l'attention d'Osol. Il a préparé le petit déjeuner pour qu'ils puissent manger ensemble, mais Osol se sentait toujours gênée à cause de la nuit précédente. Elle n'arrivait même pas à se concentrer pour manger. Soudainement, Sungyeol a essuyé des miettes sur le visage d'Osol avec sa main et l'a aidé de différentes manières,
ce qui a rendu Au-sol encore plus inquiète. Pendant ce temps, Daniel a rencontré la secrétaire Gwon pour découvrir où se trouvait Au-sol. Il savait que l'histoire d'Au-sol abusant avait été inventée par l'entourage de Sungyeol. Finalement, Gwon a dit à Daniel où se trouvait Au-sol. Elle lui a également proposé d'être le médecin personnel de Sungyeol pour l'aider avec son état. Daniel voulait sauver Au-sol d'un accord injuste. Il savait que le PDG Cha le faisait pour des raisons personnelles. Peu de temps après, Daniel est venu chez Sungyeol et s'est présenté sous le nom de Ha-in, disant qu'il serait le médecin personnel de Sungyeol. Sungyeol ne voulait pas d'un médecin personnel vivant avec lui, alors il a refusé. Mais ensuite, Au-sol a insinué que Sungyeol pourrait être un homme étrange qui voulait simplement vivre avec elle. En entendant cela, Sungyeol a accepté de laisser Ha-in rester. Plus tard, Au-sol voulait sortir les poubelles, et Ha-in l'a accompagné. Elle lui a demandé pourquoi il était venu chez Sungyeol, mais Ha-in lui a demandé pourquoi elle avait menti sur son travail. Au-sol a expliqué qu'elle ne voulait pas que son frère se retrouve dans la même situation difficile qu'elle. Ha-in a essayé de comprendre les raisons d'Au-sol et a décidé de l'aider dans sa mission pour guérir Sungyeol. Il a aussi demandé à Au-sol de discuter avec lui de la manière dont il pouvait conseiller et aider Sungyeol. De son côté, Sungyeol n'était pas content de la présence de Ha-in. Il s'est plaint au PDG Cha pour qu'il empêche Ha-in de devenir son médecin personnel. Mais le PDG Cha a ignoré la demande de Sungyeol. Pendant ce temps, Mewa a invité Sungyeol au lancement du livre de Ewon. Sungyeol a parlé à Au-sol des pires choses qui pourraient arriver s'il y allait. Mais Au-sol ne s'est pas inquiétée. Elle a soutenu sa décision d'y assister et de suivre la demande de sa mère. Au-sol le regrettait, mais elle avait promis au PDG Cha de faire le travail sans avoir de sentiments pour Sungyeol. Le lendemain, Sungyeol a dit au revoir à Au-sol car il voulait aller au lancement du livre de Ewon. Au-sol lui a assuré qu'elle était d'accord et qu'elle soutenait son choix. Mais après le départ de Sungyeol, Au-sol a dû cacher ses inquiétudes et sa jalousie. La véritable raison de la visite de Sungyeol chez Ewon était de lui dire gentiment qu'il n'était pas intéressé par elle et qu'il aimait quelqu'un d'autre. Il a demandé à Ewon de cesser de le poursuivre. Cependant, sa visite a conduit à des rumeurs selon lesquelles il sortait avec Ewon, et la nouvelle s'est répandue dans tout Séoul. Même l'ami d'Au-sol lui a proposé de boire un verre pour la réconforter. Pendant ce temps, Ha-in a fait quelque chose de similaire. Il a emmené Au-sol faire du shopping pour du homard pour tromper son ennui. Mais ils ont rencontré par hasard un voyant que Ha-in connaissait. Le voyant semblait suspicieux car il a reconnu Au-sol. En revenant, ils ont discuté dans le parking souterrain. Au-sol était reconnaissante que Ha-in essaie de l'aider à surmonter sa tristesse. Mais Sungyeol a vu cela et est devenu encore plus frustré. Il ne pouvait plus cacher ses sentiments en voyant à quel point Au-sol et Ha-in devenaient proches. Il les a donc rejoints pour interrompre le moment. Il n'est pas venu pour manger. Il voulait juste s'assurer qu'Au-sol ne mal comprenne pas l'article publié ce jour-là. Sungyeol a expliqué à Au-sol qu'il n'avait aucune relation amoureuse avec Ewon. Il a de nouveau avoué ses sentiments à Au-sol, lui disant qu'il ne se souciait que d'elle. Le lendemain, Ha-in a rendu visite à Sungyeol à son bureau. Sungyeol a senti que Ha-in avait une raison cachée pour venir. Ha-in a révélé qu'il avait conclu un accord. Sungyeol devait suivre une thérapie pour s'améliorer, et s'il ne progressait pas, Ha-in quitterait sa maison. Sungyeol a accepté ses termes et s'est engagé à suivre la thérapie jusqu'au bout. Les séances de thérapie ont commencé à aider Sungyeol. Ha-in a dit que l'état de Sungyeol s'était un peu amélioré. Sungyeol a même permis à Au-sol de rester avec lui. Après avoir parlé d'Au-sol, Sungyeol a demandé à Ha-in s'ils étaient juste amis et si Ha-in ne tentait pas de lui voler Au-sol. En entendant cela, Sungyeol était très heureux. Il a même agi un peu étrangement avec Au-sol, et ils ont fini par boire ensemble jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'alcool. Le lendemain, Au-sol se sentait un peu gêné en présence de Sungyeol. Mais Sungyeol a détendu l'atmosphère en demandant à Au-sol de cuisiner et de déjeuner ensemble. Pendant leur temps ensemble, Sungyeol n'a cessé de montrer son amour pour Au-sol, pensant qu'elle ressentait la même chose. Cependant, Au-sol a rapidement expliqué qu'il y avait un malentendu. Mais Sungyeol n'était pas prêt à renoncer à conquérir le cœur d'Au-sol. Au-sol a ensuite rencontré Ju-yeon pour parler de l'accord qu'elle avait passé avec le grand-père de Sungyeol. Elle ne voulait pas rompre la promesse parce qu'elle craignait que cela n'affecte négativement son frère Au-dol. Ju-yeon trouvait l'accord injuste et a encouragé Au-sol à être honnête sur ses sentiments, sachant que son ami avait aussi des sentiments pour Sungyeol. Pendant ce temps,
Aïn a invité Aussol à regarder une émission télévisée sur des scènes sous-marines. Aussol a dit qu'elle aimerait voir cela en personne. Immédiatement, Sungyeol a invité Aussol à visiter un aquarium sous-marin à Séoul. Cependant, leur temps ensemble a été interrompu par les trois amis d'Aussol. Sungyeol a emmené Aussol ailleurs, mais leurs efforts ont été vains quand Jaemin a repéré Aussol. Après s'être assuré qu'il était à l'abri de Jaemin et de ses amis, Aussol a suggéré qu'il aille se promener. Ils ont vu un banc de poissons nager ensemble, et Sungyeol a demandé à Aussol de rester avec lui, croyant qu'il pouvait affronter n'importe quoi tant qu'elle était là. Le lendemain, Aussol a retrouvé ses trois amis pour une session de soju. Ils ont discuté et pris des nouvelles, car ils n'avaient pas vu Aussol depuis un certain temps. Ensuite, Dong-yeon a reçu un appel l'informant que sa grand-mère était très malade. Ils se sont précipités à l'hôpital, et là, Aussol a vu Sungyeol, qui ne pouvait cacher son inquiétude. Aussol a appris que Sungyeol aidait à couvrir les frais médicaux de la grand-mère de Dong-yeon. Il était le seul à accepter de donner un emploi à Dong-yeon dans son entreprise malgré son passé criminel. Le cœur d'Aussol s'est attendri en voyant à quel point Sungyeol était sincère en aidant son ami. Ils sont rentrés ensemble, et à leur grande surprise, Mewa est arrivée avec un tas de photos à montrer à son fils. Mewa voulait que Sungyeol commence à fréquenter quelqu'un, mais il a continué à refuser. Il voulait que sa mère cesse ses efforts de matchmaking. Il a présenté Aussol comme la personne qu'il aimait. Mewa a été choquée par la confession de son fils, surtout quand Sungyeol a expliqué que ses sentiments n'étaient pas partagés. Le lendemain, Mewa a invité Aussol à dîner. Elle lui a demandé pourquoi elle n'aimait pas son fils, Sungyeol, même s'il avait tout pour lui. Aussol a honnêtement admis que leurs statuts sociaux étaient très différents et qu'elle se sentait indigne de sortir avec Sungyeol. En entendant cela, Mewa a soupçonné que son père était derrière les échecs amoureux de Sungyeol. Elle a confronté le PDG Cha et a exprimé sa colère face à l'ingérence de son père dans la vie de Sungyeol. Mewa a ensuite planifié une thérapie de choc pour aider Sungyeol à surmonter sa phobie. Cependant, la thérapie a causé l'évanouissement de Sungyeol en raison du nombre écrasant de personnes dans sa maison. Il n'a pas pu trouver Aussol, qui était sa source de force. Aussol a commencé à chercher Sungyeol quand elle a entendu dire qu'il ne se sentait pas bien. Elle s'est mise en colère face au chaos dans la maison et a renvoyé tout le monde. En voyant Sungyeol allongé, faible, sur son lit, Aussol a ressenti de la tristesse et a décidé de s'occuper de lui pour la nuit. Aïn, qui a vu cela, s'est sentie désolée et lui a donné une couverture pour qu'elle puisse dormir confortablement. Quand Sungyeol s'est réveillé, il n'a pas trouvé Aussol à ses côtés. Il a quitté la chambre en hâte et a commencé à la chercher. Mais Aussol était occupé à autre chose. Sungyeol a été soulagé en réalisant qu'elle était toujours dans sa maison. À partir de ce moment-là, il n'a cessé de demander à Aussol de ne pas le laisser seul dans aucune situation. Il ne pouvait pas supporter d'être loin d'elle. Pendant ce temps, Aïn a rencontré la secrétaire Gwon pour discuter de l'accident qui avait coûté la vie à la mère d'Aussol. Gwon était inquiète car si la vérité se révélait, cela blesserait à la fois Sungyeol et Aussol. Elle ne voulait pas les voir le cœur brisé après tout ce qu'il avait traversé. Aussol voulait se rendre à l'endroit où les cendres de sa mère étaient conservées. Sungyeol a insisté pour l'accompagner car il ne voulait pas être séparé d'elle. Pendant le voyage, l'état de Sungyeol le rendait anxieux dans les lieux bondés, mais il était toujours heureux car il essayait de nouvelles choses avec Aussol. À leur arrivée, Aussol a fièrement présenté Sungyeol comme son petit ami et a parlé des défis qu'il avait surmontés ensemble. Aussol était déchiré entre le fait de ne pas vouloir blesser son frère, Odol, et le fait de ne pas ignorer ses propres sentiments. Le lendemain, Aussol a décidé de rencontrer la secrétaire Gwon et de démissionner de son travail. Elle voulait tout arrêter et profiter de la vie en tant que petite amie de Sungyeol. Mais Aussol connaissait les conséquences auxquelles elle pourrait faire face. Gwon a découvert que le PDG Cha avait passé un accord avec Aussol pour qu'elle ne sorte pas avec Sungyeol. Alors elle est allée voir le PDG Cha et l'a supplié de ne pas s'opposer à leur relation. Cependant, le problème avec le groupe AG, que le PDG Cha avait fondé, resterait un défi pour eux deux. Après avoir décidé de démissionner, Aussol a quitté la maison de Sungyeol. Aïn était heureux qu'elle ait fait le bon choix. Aussol a continué à se battre pour son frère cadet, qui avait des ennuis pour avoir battu un voyou quelque temps auparavant. Elle a décidé de distribuer une pétition pour demander justice pour son frère, mais c'était trop difficile à faire seule. Finalement, Sungyeol a amené ses employés pour aider Aussol à distribuer la pétition. Aussol se sentait chanceuse d'être entourée de gens gentils prêts à l'aider.
après avoir distribué les tracts, Ossol a reçu la nouvelle que les images de vidéosurveillance capturant l'incident de son frère avaient été trouvées. Il s'est avéré que Aïn avait demandé l'aide de la secrétaire Gwon pour obtenir l'enregistrement de la vidéosurveillance. Ossol a ensuite emmené Sungyeol chez elle pour confirmer cette heureuse nouvelle. À leur arrivée, le père d'Ossol a interrogé Sungyeol sur sa relation avec sa fille. Sans perdre de temps, Sungyeol a demandé la permission au père d'Ossol de sortir avec elle et de prendre soin d'elle. En entendant cela, le père d'Ossol s'est senti soulagé car sa fille était maintenant avec un homme responsable comme Sungyeol. Le lendemain, Odol a vu Juyeon lors d'un rendez-vous arrangé et s'est senti jaloux chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de nouveau. Odol lui a demandé d'arrêter de chercher un partenaire et de sortir avec lui après qu'il ait remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Quelques jours plus tard, Ossol a rencontré Mewa pour lui dire qu'elle avait décidé de démissionner et de sortir avec Sungyeol. Mewa était ravie d'entendre cette nouvelle. Elle était enfin heureuse de voir son fils avec quelqu'un. Après avoir rencontré Mewa, Ossol est allé au bureau pour voir son petit ami. Il voulait partager la bonne nouvelle avec les trois amis d'Ossol. Ossol était ravie car elle pouvait maintenant sortir au grand jour sans se cacher. Après avoir quitté le bureau, Ossol a invité Sungyeol à dîner chez lui. Ils ont regardé un film, ont mangé ensemble, et Ossol a fini par passer la nuit. Le lendemain matin, Ossol a reçu un message d'Odol disant que leur père était en colère parce qu'elle n'était pas rentrée toute la nuit. Elle est rentrée chez elle et a donné l'excuse qu'elle était restée chez Juyeon. Odol a soupçonné qu'elle mentait et a appelé Juyeon pour vérifier. Heureusement, la réponse de Juyeon a sauvé Ossol de la colère de son frère et de son père. Pendant ce temps, Aïn est allé à l'hôpital car il avait reçu une offre d'emploi là-bas. Cependant, il a refusé l'offre, se sentant non préparé. Après avoir terminé ses affaires, Aïn a vu le PDG Cha arriver à l'hôpital avec ses gardes du corps. Ailleurs, Sungyeol a vu Ossol sur une aire de jeu en train de jouer avec un petit enfant. Cela lui a rappelé son propre enfance quand une fille espiègle avait l'habitude de lui faire des farces. Ossol avait l'impression de connaître l'histoire car elle avait vécu une expérience similaire. Elle a soupçonné que le garçon qu'elle taquinait autrefois était en fait Sungyeol. Il s'est avéré qu'il avait un lien depuis l'enfance avec leur personnalité unique. Leur relation est devenue encore plus heureuse, et Ossol a commencé à adopter certaines des habitudes de propreté de Sungyeol. Elle a commencé à nettoyer sa chambre, surprenant tout le monde avec cette nouvelle habitude. Après avoir rangé la maison, Aïn a invité Ossol à se détendre dans sa chambre. Pendant qu'elle attendait que Aïn prépare le café, Ossol a remarqué plusieurs reçus d'achat de fleurs pour le lieu de repos de sa mère. Cela l'a intriguée, et elle a demandé à Aïn la signification de ces reçus. Ossol est rentré chez elle et a demandé à son père au sujet des reçus de fleurs, mais il a évité la question en disant qu'il n'avait pas encore visité la tombe de sa mère. La méfiance d'Ossol envers Aïn s'est renforcée, car elle sentait qu'il lui cachait quelque chose. Pendant ce temps, Sungyeol a réalisé le souhait d'Ossol d'aller au cinéma. Il a organisé une séance avec trois employés déguisés en travailleurs. Ossol a remarqué l'étrange vide du cinéma un week-end, mais elle a suivi le plan de Sungyeol, sachant que son petit ami essayait de la rendre heureuse. Le lendemain, Sungyeol a invité Aïn au bureau pour discuter de ses progrès. Il se sentait mal qu'Ossol ne puisse pas avoir un rendez-vous normal à cause de sa condition. Ossol voulait aussi apporter des changements dans sa vie. Elle voulait trouver sa passion et travailler d'une manière qui corresponde à ses compétences. Son père était heureux de sa décision de suivre ses rêves. Pendant ce temps, la secrétaire Gwon a approché le PDG Cha et semblait vouloir démissionner. Elle ne voulait pas faire partie des décisions qui rendaient Sungyeol triste. Cependant, le PDG Cha était toujours déterminé à nuire à la carrière d'Odol. Alors qu'Ossol étudiait à la bibliothèque, Sungyeol l'a surprise pour lui remonter le moral. Il avait installé un tas de ballons décorés devant la bibliothèque. De son côté, Aïn a rencontré la secrétaire Gwon pour la remercier d'avoir obtenu les images de vidéosurveillance pour l'affaire d'Odol. Il a aussi demandé quelle était sa relation avec le PDG Cha. Gwon considérait Sungyeol comme son propre enfant, car elle avait un enfant avec la même condition. Elle voulait s'assurer du bonheur de Sungyeol, mais elle avait été trompée par le PDG Cha, qui ne pensait qu'à lui-même. Après avoir rencontré la secrétaire Gwon, Aïn a confronté le PDG Cha. Il l'a exhorté à arrêter de tourmenter la famille d'Ossol et lui a rappelé que ses actions avaient indirectement causé la mort de la mère d'Ossol. Malgré cet avertissement, le PDG Cha est resté indifférent et a continué ses efforts pour nuire à Odol. Pendant ce temps,
Odol et son père ont réalisé que le PDG Cha, le chef de l'entreprise AG Group, était derrière tous leurs problèmes. Le père d'Odol a affirmé que la famille de Sun Gyeol était responsable de la mort de sa mère. Cette révélation a laissé tout le monde, y compris Odol, se sentant en colère et trahi. Odol a décidé de mettre fin à sa relation avec Sun Gyeol. Après leur rupture, Sun Gyeol a eu du mal à trouver Odol. Son inquiétude a affecté son travail, et il a finalement demandé à Ahn de l'aider à vérifier si Odol allait bien. En parlant avec Ahn, Sun Gyeol a aperçu Odol au loin. Il a essayé d'attirer son attention pour parler et réparer leur relation, mais Odol a continué de le rejeter, restant ferme dans sa décision de se séparer. Sun Gyeol était toujours confus par le changement d'attitude d'Odol. Il a décidé de retourner au bureau, mais a vu une agitation à l'extérieur du bâtiment. Le frère cadet d'Odol essayait d'entrer pour rencontrer le PDG Cha. Il s'est avéré qu'Odol voulait l'aide de Sun Gyeol pour rencontrer le PDG Cha. Après avoir appris que la mère d'Odol avait été victime du projet du groupe AG il y a 6 ans, Sun Gyeol a confronté le PDG Cha. Il était en colère et déçu parce que son grand-père avait causé la souffrance de la famille d'Odol. Cependant, le PDG Cha est resté indifférent et a ignoré les paroles de Sun Gyeol. Au fil des jours, Sun Gyeol a de plus en plus manqué à Odol. Il ne pouvait que l'observer de loin et même la suivre sur le chemin du retour. Pour assurer sa sécurité, il a réparé des lampadaires dans la rue. La maladie de Sun Gyeol semblait s'aggraver après leur séparation. Il est devenu plus obsédé par la propreté, se blessant les mains à force de les laver excessivement. Ahn a essayé de lui offrir des séances de conseil, mais Sun Gyeol l'a rejeté et l'a expulsé de la maison. Sun Gyeol a perdu sa motivation pour guérir de sa maladie. Voyant l'état de détérioration de son fils, Mewa a rencontré Odol et l'a persuadé de voir Sun Gyeol. Lors de cette rencontre, elle a croisé Ahn, qui venait de quitter la maison de Sun Gyeol. Odol lui a demandé des nouvelles de Sun Gyeol, mais la réponse de Ahn n'a pas complètement apaisé ses inquiétudes. Le lendemain, le PDG Cha est venu au bureau pour rencontrer son petit-fils, dans l'espoir de transmettre l'entreprise AG Group à Sun Gyeol. Cependant, Sun Gyeol a refusé parce qu'il ne voulait pas faire partie d'une entreprise douteuse qui avait causé des problèmes avec Odol. Il a découvert que son propre grand-père était le principal contributeur à son entreprise, ce qui l'a laissé se sentir trahi par quelqu'un de si proche. Submergé par les émotions, Sun Gyeol a décidé de partir, mais cette décision a conduit à un accident tragique, le mettant dans le coma pendant une semaine. Odol s'est blâmé pour son état et l'a supplié de se réveiller, craignant de perdre l'homme qu'elle aimait. Ce fut une lutte difficile et longue à l'hôpital pour rester aux côtés de Sun Gyeol. Odol a même dû affronter le PDG Cha, qui essayait de l'empêcher de voir son petit-fils. La vie d'Odol avait été assez sombre pendant une semaine entière, mais elle a ensuite reçu une merveilleuse nouvelle. Sun Gyeol s'était enfin réveillé. Dès qu'il a repris conscience, Sun Gyeol a cherché Odol avec impatience. Mewa lui a dit qu'Odol s'était occupé de lui pendant qu'il était dans le coma. Sun Gyeol ne pouvait pas attendre de la revoir, mais malheureusement, elle n'était pas là à ce moment-là. Néanmoins, il était immensément soulagé de savoir qu'Odol était en bonne santé. Il s'est excusé pour les erreurs de sa famille et a exprimé sa gratitude d'avoir Odol dans sa vie. Peu de temps après, Sun Gyeol a décidé de démissionner de son poste de PDG. Il avait prévu de partir pour l'Amérique, suivant les souhaits de son grand-père. Sun Gyeol a dit adieu à ses 3 employés fidèles qu'il avait toujours soutenus. Il a demandé à Odol ce que signifiait le sticker qu'elle lui avait donné, et elle a expliqué que cela symbolisait une seconde chance. En faisant semblant de rencontrer Ahn, Sun Gyeol a en réalité visité la maison d'Odol pour lui offrir un collier. Il regrettait leur temps passé ensemble mais devait partir pour l'Amérique pour continuer sa vie. Pendant ce temps, le PDG Cha s'est rendu chez Odol pour s'excuser. Il a réalisé qu'il était responsable de la tragédie qui avait affecté la famille d'Odol. Odol a aussi compris que Sun Gyeol n'était pas coupable. Elle voulait le suivre à l'aéroport mais ne l'a pas trouvé, il était déjà parti. Pour exprimer son remords, le PDG Cha a organisé une conférence de presse pour expliquer la tragédie et a promis de donner tous ses biens. En même temps, Odol a visité la tombe de sa mère et a rencontré ses 3 amis là-bas. Ils avaient été envoyés par Sun Gyeol pour entretenir le lieu. Elle se sentait égoïste de toujours blâmer Sun Gyeol. 2 ans plus tard, Sun Gyeol est revenu à Séoul en bien meilleure santé. Sa maladie était guérie, et il était libéré de son obsession pour la propreté. En rentrant chez lui, il a vu Odol, qui venait de terminer sa journée de travail.
La vie d'Ossol avait aussi changé. Elle travaillait maintenant pour une entreprise de sport et vivait selon les souhaits de sa famille. Sungyeol a arrêté sa voiture et s'est approché d'Ossol. Il était plein de regrets pour tout ce qui s'était passé et lui a donné le sticker qu'il avait chéri, demandant une autre chance de réparer leur relation. Son retour a rendu sa mère heureuse et elle soutenait maintenant pleinement sa relation avec Ossol, envisageant même de la rendre plus sérieuse. Sungyeol avait également pardonné à son grand-père après avoir appris que le PDG Cha s'était excusé et avait donné tous ses biens. Sungyeol est resté déterminé. Il a repris ses efforts pour reconquérir le cœur d'Ossol, allant jusqu'à nettoyer les fenêtres de son bureau, ce qui l'a conduit à tomber. Lorsqu'Ossol a vu l'incident, elle a accouru à ses côtés. Alors qu'ils partageaient à nouveau un repas, Sungyeol a essayé de reconquérir Ossol, mais elle l'a rejeté de nouveau. Ossol ne voulait pas continuer leur relation parce qu'elle avait peur de blesser sa famille en étant impliquée avec quelqu'un indirectement responsable de la mort de sa mère. Cependant, Sungyeol n'a pas abandonné et a continué à exprimer ses sentiments à Ossol. Pendant ce temps, Odol travaillait dur sur ses compétences en taekwondo. Il s'entraînait jusqu'à réussir à intégrer l'équipe nationale en tant que représentant de leur pays. Le père d'Ossol était fier des réalisations de son fils, mais son bonheur s'est estompé lorsqu'il a vu Sungyeol là-bas. Sungyeol persistait à chercher le pardon de la famille d'Ossol, même si sa présence était indésirable. Après avoir bu du soju avec Ossol et ses collègues, il s'est enivré et a révélé la douleur qu'il avait endurée pendant les deux dernières années, incapable d'oublier Ossol. Alors que Sungyeol dormait, Ossol a commencé à exprimer ses sentiments, avouant qu'elle lui manquait profondément. Cependant, elle ne voulait pas être égoïste et blesser sa famille. Sungyeol l'a remercié pour l'avoir aidé à se rétablir de sa maladie pendant son séjour en Amérique. Leur relation est devenue plus proche et ils ont laissé tomber toute rancune persistante. Sungyeol a invité ses quatre employés à partager un repas et leur a parlé de ses projets de créer une nouvelle entreprise. Les employés ont accepté de le rejoindre pour reconstruire son entreprise depuis le début. D'un autre côté, le père d'Ossol a lentement commencé à apprécier les efforts de Sungyeol et a vu la sincérité de son caractère. Ils ont même partagé un verre ensemble sans ressentir de rancune. Maintenant, le père d'Ossol approuvait la relation de sa fille avec Sungyeol. Après avoir visité les cendres de sa défunte femme, le père d'Ossol a encouragé sa fille à rencontrer Sungyeol. Il comprenait qu'elle avait encore des sentiments pour lui et lui a donné sa bénédiction, espérant mettre fin à ses deux années de souffrance. En entendant cela, Ossol est immédiatement allé vers Sungyeol et l'a invité à recommencer. Leur relation s'est améliorée, leurs sentiments l'un pour l'autre restant forts et inchangés. Ainsi, la morale de l'histoire est que même si vous êtes extrêmement propre et organisé, la vie peut rester désordonnée et imprévisible, surtout quand l'amour et les sentiments sont impliqués. Parfois, il faut juste accepter le chaos et suivre le courant.